soleil d'hiver, même bruit de brindilles. Le 10e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz s'est ouvert sur un moment magique, quand durant le concert intime d'Alex Baupin, Agnès Jaoui est venue le rejoindre pour chanter. Avant ce moment suspendu, le maire de la ville, Jean-François Hérigoyen, avait remis un maquillat d'honneur à Agnès Jaoui, présidente du jury 2023, composé de Guillaume de Tonquédec, William Lebguil, Alison Paradis et Sarah Succo. Donc, ouvert à la 10e édition du Festival International de Saint-Jean-de-Luz. La 10e édition avait commencé quelques heures plus tôt avec la projection de Linda veut du poulet pour les scolaires, suivie d'un atelier de doublage. Puis à 15h, de la première projection hors compétition, celle de Nouveau Monde, premier film de Vincent Capello. On s'est retourné. C'est pas bizarre, ça, c'est notre langue, c'est ça. Puis les festivaliers se sont retrouvés au Centre culturel Peyoko du Har pour une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, avec en avant-programme un documentaire sur l'histoire du festival, la présentation du programme et des jurys, et enfin ce concert mémorable d'Alex Baupin. Alex Baupin, qui était également présent en tant que compositeur de la bande originale des Rois de la Piste, le film d'ouverture signé Thierry Cliffa. Embrassez-moi maintenant. Allez, embrassez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait en peignoir ? Le réalisateur a parlé de son enthousiasmante comédie sur le plateau télé du festival, animé par Eric Soro avec Vincent Devitte de Sud-Ouest et David Talek de France Bleu. C'est un rendez-vous comme ça, c'est une bande, une sorte de bande avec un très beau casting. Oui, bah ça je ne peux pas vous contredire sur le casting, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, puis c'est des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, donc c'est ça qui m'amuse, et puis de mêler des familles d'acteurs, des acteurs très connus, des acteurs moins connus, mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était de pour jouer cette famille de bras cassés, et ces deux détectives qui sont à leur poursuite, c'était de prendre des gens comme Mathieu Kassovitz, Fanny Ardant, Nicolas Duvauchel ou Laetitia Deutsch. Enfin, des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de ce ton-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ce qui les a décidés à accepter le film. Le programme de cette deuxième journée était chargé. Dès 9h, les scolaires ont découvert Les Trois Fantastiques de Michael Dichter. À 10h, ouverture de la compétition avec Les Lueurs d'Aden d'Amr Gamar. Ce film yéménite était présenté en première française, comme tous les longs métrages de la compétition. I was telling the audiences that I'm already in love with the city and I want to shoot a film here because it's very beautiful and very peaceful. Alex Baupin a donné la première masterclass du festival, l'occasion de parler musique de film et chansons. La chanson étant l'endroit où on peut tout dire, c'est Fanny Ardant dans La Femme d'à côté, c'est toutes les chansons sont bêtes. En fait, non, elles sont pas bêtes, elles disent la vérité. Enfin voilà, elles sortent des phrases clichés, sans amour on n'est rien du tout, tout ça. Et ben au cinéma, ça marche un peu pareil aussi. Michael Dichter a pris le relais et présenté cette fois au public Les Trois Fantastiques, son premier film. Une histoire d'amitié, de trahison et de fraternité toxique qui a fait mouche. Alors qu'en ville, son travail était exposé, Manuel Moutier a donné une masterclass sur son métier de photographe de cinéma. Des photos comme celle-ci, j'en ai des dizaines et des dizaines, quoi. À 17h, traditionnelle séance photo des jurys devant le phare de Saint-Jean-de-Luz. Projection hors compétition de Bishkar Choro, film de Joshu Martinez, en basque et sur la langue basque. Mileshker. Qui a parlé basque ? Le réalisateur suisso-égyptien Tamer Rugli présente Retour en Alexandrie, le troisième film de la compétition, où l'icône du cinéma libanais Nadine Labaki et celle du cinéma français Fanny Ardant jouent un règlement de compte entre fille et mère. 10e édition, jour 3. Leur rythme ne faiblit pas. Les scolaires ont découvert plusieurs films, dont La nouvelle femme de Léa Todorov, en compétition le jour même. Elle a une corpulence étonnante. C'est vous qui vous en occupez ? Le réalisateur Nehir Tuna, venu d'Istanbul avec son actrice Didem Eliati, s'est étonné que la salle soit pleine à 10h, au moment de présenter en compétition Yurt, son premier film inspiré de son adolescence. À l'occasion de la présentation de Bishkar Choro, le festival a organisé une rencontre autour du cinéma basque, animée par David Talek de France Bleu.
Projection en compétition de La Nouvelle Femme, premier film de Léa Todorov, qui est plus qu'un biopic sur le docteur Maria Montessori et sa méthode. Je trouvais ça aussi logique, puisque moi je suis française, de ne pas faire un pur biopic de Maria Montessori. Moi, c'était aussi l'idée de raconter, à travers le personnage de Leïla Bekhti, la rencontre avec le handicap ou la différence avec les enfants neuroatypiques. Et ça, j'avais aussi à cœur qu'on puisse le vivre avec quelqu'un qui vit ça dans sa chair. Dominique Besnéard s'est installé avec la complicité de la librairie 5e art sur le parvis du cinéma Le Select pour dédicacer son nouveau livre, Le Dictionnaire de ma vie. Puis il a rencontré le jury jeune, comme plutôt avant lui, Guillaume de Tonquédec. Delphine Gérard est venue de Belgique pour présenter, toujours en compétition, Quitter la nuit, son premier long métrage qui a impressionné les spectateurs. J'aurais commencé à voir des éoliennes. Non. Des éoliennes sur votre gauche. Non, mais peut-être c'est moi. Je ne vois pas d'éoliennes. Le festival a accueilli Valérie Lemercier, venue soutenir Brian Marciano, réalisateur de L'Arche de Noé, un premier film présenté hors compétition. Quelques semaines dans la vie d'une association qui s'occupe de jeunes LGBTQ+, mis à la rue par leurs parents. Si je me suis dit, enfin, on parle d'un sujet grave, mais on n'est jamais dans le pathos, c'est très pudique. Lui, il l'est. Et moi, je ne pourrais pas tourner dans un film où on vous tire vers le bas, où on essaie de vous faire pleurer ou au contraire, et je pense que plus on est dans des situations dramatiques, plus, et ces jeunes-là sont comme ça, ils ont un truc comme ça, ils sont dans la survie, donc ils déconnent, ils sont dans la, enfin voilà, c'est, et je me suis sentie bien moi avec eux. Le jeune public était invité à découvrir Sirocco et le royaume des courants d'air pendant que les lycéens discutaient de l'Arche de Noé. Les deux là, tu me sens bien? C'est quoi qui se passe là? Dis-le que c'est Rabi. Il est venu. Que passe? Oui, Stancé, non, c'est lo que passe. Après Sophie Dupuis ou Guillaume de Fontenay, le festival a découvert un autre réalisateur québécois, Pierre-Philippe Chevigny, qui a signé Dissidente, une fiction sur l'exploitation des travailleurs guatémaltèques au Canada, tirée de la réalité. Donc, mon plan initial, c'était en fait de faire un documentaire. Et j'ai rapidement compris pourquoi il n'y avait pas de documentaire là-dessus. C'est que les gens qui sont victimes d'exploitation ne veulent pas parler. Guillaume de Tonquédec a donné une masterclass émouvante animée par Franck Finance Madurera de Frenchmania. Donc j'étais d'une timidité maladive, c'est-à-dire que j'allais à l'anniversaire de mes copains quand j'étais petit avec ma mère, je donnais le cadeau et je repartais avec elle, pour vous donner le niveau d'angoisse sociale, enfin sociale non, avec du contact avec les autres. Et tout à fait contradictoirement, je rêvais depuis l'âge de 10 ans, je ne sais pas exactement pourquoi, de devenir comédien. Place au cours, devant le public et les exploitants néo-aquitains venus assister aux journées professionnelles, les réalisatrices et réalisateurs sont venus présenter les 8 courts-métrages en compétition. Puis ils et elles s'en sont allés assister aux premières journées Vision d'avenir, dédiées justement aux courts-métrages et organisées en partenariat avec la Fédération des jeunes producteurs indépendants et la Banque Neuflys OBC. Pendant ce temps, Thomas Bideguin, scénariste de Un prophète ou La famille Bélier, présentait son deuxième film comme réalisateur, Soudain seul, des années après avoir remporté au festival le prix de la mise en scène avec les Cowboys. Le bateau est plus là ? Il y avait foule pour découvrir le palmarès des courts-métrages. Le grand gagnant de la soirée a remporté 3 prix. Le court-métrage qui s'appelle Un bon garçon. Ah ben je crois qu'il va falloir qu'il ait une grande valise. Paul Vincent de l'Estrade pour Un bon garçon. Jamais 203, nous avons donné le prix à monsieur Paul Vincent de l'Estrade pour Un bon garçon. Le prix du jury jeune est revenu lui à Assoiffé de Lisa Salustio. Merci beaucoup, merci la jeunesse, je suis ravie. Le prix Révélation Arda est revenu à un débutant prometteur. Et il s'appelle Vladislav Botnarou. Pour les corneilles blanches. Et enfin, le prix du producteur d'avenir a été remis à... Donc nous sommes ravis de décerner le prix producteur d'avenir à Johan Scherb de la société Nolita. Prestigieux. Regarde du ce que j'ai trouvé. Garance Chaptel, celle qu'on appelle la Dame en bleu. Après les cours, place au long avec la projection en simultané dans plusieurs villes de la région de L'Homme d'argile de Anaïs Thélène, en présence de son couple vedette Raphaël Thierry et Emmanuel De Vos, suivi d'un débat également retransmis.
Alors d'abord, c'est assez rare de lire quand même des scénarios qui ont une originalité, qui se passent ailleurs qu'à Paris, ou qui se passent, où c'est des histoires un peu sociales. Et bon, voilà. Donc ça, déjà, ça me plaisait que ce soit comme une sorte de conte. Et puis c'est vrai que la présence de ce garçon ne m'était pas indifférente, parce que je l'avais aussi repéré chez Guiraudy. Et que j'aimais bien aussi l'idée, que, alors ça c'est assez nouveau, qu'on soit dans un film sur le female gaze presque. La soirée s'est terminée en dégustant les produits des Halles et en dansant. Le travail avec les scolaires s'est poursuivi sur plusieurs fronts. Manège Fuchs, acteur de Bishkar Choro, a parlé de cinéma basque. Les réalisateurs de courts-métrages ont échangé avec des lycéens. Et Thomas Bideguin a testé Soudain Seul sur des collégiens. Projection du 9e et avant-dernier film de la compétition, Matria, du réalisateur espagnol Alvaro Gago. Parallèlement, les journées Vision d'Avenir se poursuivaient, avec des rencontres autour de la diffusion du court-métrage ou du passage des acteurs derrière la caméra. Le grand scénariste et réalisateur Thomas Bideguin. Guillemette Odissino de Télérama a animé la masterclass de Thomas Bideguin. Et puis un jour, je vais avoir 12-13 ans, j'ai vu La Nuit du Chasseur, et je l'ai vu à 2h, je l'ai vu à 4 heures, je l'ai vu à 6 heures, et donc je l'ai vu 3 fois de suite, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. 6 ans après avoir présenté Après la guerre au festival, la réalisatrice italienne Anarita Zambrano est de retour à Saint-Jean-de-Luz pour présenter son deuxième long métrage, Rosso Speranza, le 10e et dernier film de la compétition. Dario, insultala. Fai schifo. Sei un cesso. Dai, Lazzella. Puoi provare a scusarti. Sei tu che decidi. Dai. Dans la foulée de la projection, le jury du syndicat français de la critique cinéma, présidé par la journaliste d'Allociné, Brigitte Baronnet, accompagnée de Justine Boivin de Téléstar et Laura Pertuis de Trois Couleurs, a délibéré en public. J'avais que nous sommes trois femmes, peut-être que ça en surprendra quelques-uns d'entre vous. Pas de parité, mais donc une surreprésentation féminine, une fois n'est pas coutume. T'aurais pu me prévenir pour rien. Deux. T'as du boulot, ok, mais moi aussi. Première mondiale de Paternelle de Renan Tronchot, le réalisateur était présent accompagné de son producteur et ami d'enfance, Charles Philippe. Le public a été emballé par cette histoire de prêtre qui découvre qu'il est père et a fait une standing ovation au film présenté hors compétition. Ok, bien au milieu, tous les trois, s'il vous plaît. Clémence Poésie et Johan Dionnet étaient de retour à Saint-Jean-de-Luz pour présenter le premier film du comédien Rudy Milstein, Je ne suis pas un héros. Une drôle de comédie avec Vincent Dedienne qui joue un avocat hyperchondriaque. Qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Explique ton problème. Non, parce qu'en fait, j'ai regardé sur Internet. Ouh là là, faut faire attention avec Internet. Hein. C'est vrai que dès que vous avez un petit bouton, c'est un cancer. Vous avez quoi? Il a un cancer. D'accord. The. Yes, very good. The. Yes, the. Okay. The. Okay. The. Okay. Okay, that's okay. Le goût des autres était présenté dans le cadre de la séance Mon premier film, à l'issue de laquelle sa réalisatrice Agnès Jaoui a donné une masterclass devant une salle admirative. En parallèle, les inconditionnels du Nikon Film Festival pouvaient découvrir les 50 finalistes de la 13e édition. C'est Raphaël Balboni, co-réalisateur avec Anne Siro du Syndrome des Amours Passés, qui est venu présenter cette merveilleuse comédie sentimentale avec Lucie Debay et Florence Loirecaille. Laquelle, 2 ans plus tôt, avait découvert le premier film des cinéastes belges, Une vie démente, présenté alors par Anne Siro et Lucie Debay. Mais écoute, j'ai eu le coup de foudre pour... Déjà, quand je les ai vues toutes les deux arriver sur scène, je sais pas, je me suis dit... c'est la grâce et la drôlerie incarnée, quoi. Donc je me suis dit, elles ont l'air trop sympas, ces filles, j'ai trop envie d'être copine avec elles. Un concert de musique de film a eu lieu place Louis XIV, juste avant que la patrouille de France ne repeigne le ciel de Saint-Jean-de-Luz en bleu, blanc, rouge pour le 10e festival. La soirée de palmarès de cette 10e édition s'est ouverte avec la présentation de l'équipe du festival au complet avant que ne commence la distribution des prix. Le prix du public est revenu à Dissidente de Pierre-Philippe Chevigny, le prix SFCC à Yurt de Neir Tuna, le prix du jury jeune à L'Homme d'argile d'Anaïs Tellen, le prix d'interprétation masculine à Diego Murgia dans Les Trois Fantastiques, le prix d'interprétation féminine à Ariane Castellanos dans Dissidente, le prix de la mise en scène à Neir Tuna pour Yurt,
Le jury a également décerné une mention spéciale à l'homme d'argile et remis son grand prix à... On a décidé d'offrir ce prix à la dissidente de Pierre-Philippe Sevigny. Ben là, écoutez, je suis ému, je suis confus, je suis bouleversé. Merci tellement au jury pour ce magnifique prix. Enfin, Agnès Jaoui a présenté en compagnie de son partenaire William Lebguil le premier film de Julien Carpentier, Le bouleversant la vie de ma mère. Là, ça me touche énormément. Avant de faire la fête en chanson au Casino Joie. Dernière projection avant de se quitter, celle des courts-métrages des amis du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. 1h30 plus tard, il était temps de se dire adieu et à l'année prochaine, tout en égrenant les souvenirs d'une magnifique 10e édition. C'était merveilleux, c'était trop court, c'est passé trop vite, mais j'ai trouvé que les attentions, la gentillesse des gens, bon, c'est sublime, ça vous le savez, mais ce qui m'a touchée, c'est vraiment toutes ces attentions du début à la fin, et puis aussi les initiatives du festival pour les jeunes, il y a eu plein de choses super, les prix donnés, le jury, enfin voilà, je trouve que c'est un peu un idéal de festival.